intégré un contrat avec le ministère du Tourisme là pour faire sept forages d'eau sur Île à Vache. Donc, travaux ont été commencés le 14 mars par mobilisation sur Port-au-Prince pour les cailles. Mobilisation là, nous te prend nous environ 6 jours pour arriver jusque sur l'île. Ensuite, nous commençons débarquement là entre le 19 et le 20 mars. Tout équipement, yo, la foreuse, machine de service, tout matériel que nous avons besoin pour faire forage là. Nous avons commencé forage là effectivement le 24 mars. Et depuis le 24 mars, juste arrivé jeudi, il y a 3 forages qui sont en fait. Parmi les 3, qui gagne en bonne productivité jusqu'à présent, gagne de l'eau douce qui est sortie et n'a continué à faire l'autre forage l'eau. Voilà. Donc, ouais, c'est jusqu'en date, voilà, ça nous gagne en fait. Nous gagnons pour arriver juste 7 forages pour alimenter la population. La cible, je répète encore, c'est de fournir des forages, de l'eau pour alimenter la population. Et zone là, au préalable, nous avons commencé par faire une campagne d'investigation et d'implantation de forages. Forages implantés dans des zones qui sont vraiment précises et avec l'appui de SODAD qui était accompagné nous pour dire par rapport à besoin population là. Par exemple, il y a des zones particulières comme qui gagne regroupement, qui gagne des villages. Je pense notamment à Madame Bernard, je pense à Madame Bernard, Kaikok et surtout Pointe-Est. Voilà, donc ça fait en gros 3 zones où qui gagne concentration population. Nous te prévois fin forage ça fait forage tout travail ça en 2 mois. Mais compte tenu de difficultés nous gagnons sur place, c'est-à-dire quelques moun qui mal intentionnés la nuit, gagnent des trous qui fouillés, gagnent des morceaux pointe qui est là pour craser caoutchouc. Ça fait que, bon, ça allonge le délai, mais pas pour beaucoup parce que gagne équipe là qui travaille jour et nuit, 7 jours sur 7 pour avancer dans le forage ça. Donc jusqu'à présent, c'est vrai que ça nous a posé un petit handicap. Mais ça rallonge peut-être d'une semaine. Donc, disons à la fin du mois de mai, on aura tous les forages opérationnels. Ce forage, ça a touché majorité. Je répète que l'ingénierie sociale là, qui était qui coordonnée au travers de SODAD, t'es fait déjà une étude là-dedans pour voir qui population lui touchait. Parce que côté moun, on n'a pas qu'à mettre un forage derrière caille chaque moun. Donc, ça nous essayons de faire, c'est de rapprocher forage de plus villages côté gain concentration population. Donc, nous avons dit l'a touché à 80% la population sur Île à Vache. Maintenant, il reste pour trouver productivité forage saillot pour voir si quantité, nombre nous estimer. Nous allons passer de l'étape de bureau à l'étape de terrain pour voir si quantité pour forage ça bail est suffisant pour alimenter la population là.